Marseille. Falafel. Tu as dansé comme un fou malade là sur une église, il y a plein de bars, plein de gens qui voient, voir des centaines de personnes. On va passer pour des demeurés. Toi ça te gêne? Mais je prends pas un malin plaisir à faire ça, non. Toi en tant qu'angoissé social, t'es pas chaud? Non. Est-ce que c'est vrai? Oui. Que c'est toi qu'on entend dans cet enregistrement? Alors voilà, j'aime pas trop, j'aime faire un peu le modeste là-dessus, mais oui c'est moi, il est vrai que c'est moi, derrière. Tu pourrais le refaire en live là? Ça ressemble à quelque chose qui ferait un peu comme... Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Vraiment. Mais c'est mieux d'enregistrement. T'as été plus fort ce jour-là. J'ai pas c'est du travail en fait, hein, psychologique, de la préparation, j'ai envie de dire, qui prend des fois des jours. Donc je peux pas le faire non plus à l'instant T. Et l'enregistrement, c'est passé comment du coup? C'était quelque chose de plutôt spontané. On n'y avait pas trop réfléchi. On l'a fait à l'instant T. Donc là, il n'y a pas besoin de préparation ce jour-là? Non. Ok. Et pourquoi tu t'apparais pas dans le clip, par exemple, sur l'église là? Tu voulais pas danser devant les gens? Moyen. Moi je préfère travailler dans l'ombre et mettre en lumière les artistes avec qui je collabore. C'est très très beau. Voilà. Et d'ailleurs tu cherches du taf en ce moment? Oui. Donnez du taf à cet homme. Merci. Merci. Falafel.